Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, ça c'est quoi? Eh bien, en direct, faut pas que la grippe vienne à continuer. Pardon, amène-moi le médicament là, pardon. Mais si. Et qui est? Attends, vous amenez maladie. Excusez-moi, j'ai souvent la grippe. Donc alors, je voulais vous. Double la dose, mais quelque chose, c'est combien? C'est franc, combien? Combien? 500. 500, c'est peu. Mais 7000. Y a pas 7000. Est-ce pour le con? Mais 7000. Donne. On dirait que les pélagans vont me tuer. Très bien, alors on va. Coupe la partie là. Tu coupes la partie là, tu comprends, non? D'accord. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me surprend. Qui est les choses du Gabon, vraiment, vous allez m'étonner. Hein? Quelqu'un arrive, il commence à tout fermer. Hein? Fermer tout. Fermer à gauche, fermer à droite, fermer même le bar dada. On a fermé. Fermer ceci, fermer cela, fermer où. Ah, très simple. Même lui-même qui est venu que fermer, lui-même, on l'a fermé. Mon Dieu. C'est fermé. Ah, qui est? Bon, je ne sais pas, c'est confirmé. C'est peut-être une heure humaine. Mais la fermation, c'est bien. Quand tu amènes quelque chose, toi-même tu subis. C'est parfois très bien. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas le problème. J'ai un gros problème avec la loi, avec la justice gabonaise. Regardez, on m'a envoyé un cahier d'or. Je ne sais pas s'ils sont fans de moi, ou bien s'ils m'aiment trois fois par jour, ou bien je ne connais pas. Ils ont seulement dit que j'ai un gros souci avec la loi. Moi, maman Grano. Pourquoi? Maman de Nounou. Moi, problème avec la police. Comme j'ai vu que ça concerne la police, c'est la police qui m'a envoyé, j'ai refusé d'ouvrir. J'ai dit que je ne peux rien faire sans la présence de mon avocat. J'ai appelé Nounou. Nounou m'a bipé. Bon, il m'a bipé. Et puis je l'ai rappelé. J'ai dit Nounou. Oh, la police m'a envoyé un gros cahier. Je ne sais pas si c'est les bisous qu'ils ont dedans ou bien quoi. Avant d'ouvrir, envoie-moi un avocat. Mon propre fils, Nounou, m'a envoyé un avocat. Depuis Harvard. Diplômé de Harvard. Vous connaissez Harvard, non? C'est Abitam. Depuis avant, la meilleure université de Bitam, il est venu un avocat très stylé, un avocat très intelligent qui connaît son boulot. Mesdames et messieurs, humoriste Rigoyle, s'il te plaît, viens d'abord. Ouh là là, je rapidement. Oh oui, Rigoyle. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Rapidement, je suis attendu pour au tribunal pour un procès. Là. D'accord. Et j'ai reçu le gros cahier. La police, les policiers sont venus me déposer ça. On me dit que j'ai dit que je ne vais pas parler tant qu'il n'y a pas mon avocat. Tu permets. Très bien. Ça, c'est dans les films des Blancs. Très bien. Tu permets. Beaucoup de likes. Oh, j'ai vu si c'est 700 likes. Tous les policiers ont liké avant de venir me donner le cahier. Moi-même, Maman Kano. Oh? Ce ne sont pas des likes, ce sont des plaintes. Hein. C'est quoi, c'est? Des plaintes. Et déjà, dès la première page, on voit déjà une connotation franc-clarque. Éviter le déplacement des agents. Et il y a 700 plaintes, Maman Kano. Tu abuses, hein? C'est fort. Et heureusement que tu es tombé sur le meilleur. Et qui est? Mais tu es 700. Pourquoi les gens me portent plainte? Vous me portez plainte? Pourquoi? J'ai fait quoi? Attends, on va lire quelques-unes. Ici, je vois Grâce Chap-Chap. Grâce Chap-Chap, ça te dit quelque chose? Ah non, c'est la petite nouvelle qui m'avait mal parlé dans mon Chap-Chap. Je l'ai fait quoi? Elle a porté plainte pour, on va dire, cassure coutale. Cassure coutale, c'est-à-dire à cause de ta gifle, ce qui a entraîné une agence immobilière. C'est-à-dire, elle cherche maintenant des maisons à louer. Ah, oh, laisse-moi la fille là. C'est celle-là, je n'avais rien fait. C'est pas fini. Elle avait seulement eu le coup tordu, c'est tout. Si elle avait fait quelque chose, toi-même. Calme-toi, il y a 700. La deuxième. Mutsinga. Ah, laisse-moi cet espoir au coin de disjoncteuse. Elle a porté plainte justement pour dysfonctionnement cervical. C'est qu'en français, ça veut dire quoi? Bon, ce qui a entraîné, le médecin a mis ici, ce qui a entraîné, on va dire, une coupure au niveau du groupe sanguin. Donc, le courant ne passe plus bien dans son corps, le sang en fait. Mais attendez, est-ce que ça c'est grave? Ce n'est pas, je l'ai chatouillé. Je l'avais chatouillé le jour là. Il n'a rien vu. Oh, mais pas peine pour ça. Voilà, une plainte très intéressante. Ton propre pasteur, Sebago. Ah non, on va régler à la maison. Sebago, tu me portes plainte, pourquoi? Sebago de Bagdad, il a dit ici, nocturne onctionnelle.
C'est-à-dire, en fait, depuis que tu gifles tellement, les gifles sont intenses, ils voient maintenant les révélations noir et blanc. Et qui est? C'est gros, c'est grave que ça. C'est grave. Là, je ne fais que 3. Il y en a 700. Donc c'est trop. Ah non, il y a rien. C'est pas quoi? Toi-même, on va régler ça, toi et moi. Pas là où tu vois en noir et blanc. On va arranger ça à voir en couleur. C'est pas le point. Mais c'est de ça là qu'on parle. Maintenant, je suis là. Mais heureusement que je suis là. Donc, je vais régler le souci. Par rapport à ça, on dit quoi? Par rapport à ça, tu comptes faire comment pour m'arranger le problème? Ben, parce écoute, que c'est nous qui t'envoient. Écoute, ben oui, justement, je viens de là-haut. Donc, mesdames et messieurs, il faudra savoir déjà que, d'où la connotation en flarbluste du sujet, il faudrait calflaster sur même les... Quoi? Il y a un problème? Non, le français est trop fort. Le français? Bon, c'est trop fort. Diminuer un peu. Maman Grano, tout le monde sait que tu es admissible au CEP, mais il faudrait te documenter. Bon, un bonbon ne me parle pas mal sur mon plateau. Ça va, ça va. Diminuer le français. Ok, d'accord. Nous tous, on va comprendre. Il faudrait falflaster le tout. Et prendre c'est encore trop fort. C'est encore trop fort, hein? Très fort. Je baisse encore. Baisse encore. Bon, d'accord. Il faudrait généraliser le tout et de manière assez flasque, d'où la connotation même de 700 plaintes, qui d'ailleurs, d'où ma formation qui est finie en 1995 et après, je poursuis mes études. Ça a quoi à voir avec le problème qu'on te dit que Bourba te va porter et me plaindre? Ou à quoi on tire? Voilà. C'est ça même, ce qui nous amène là, les portages des plaintes. La plainte, on en vient. La plainte, tu sais, il faudrait savoir que la plainte vient du mot même, du mot plaire, qui vient de plainte. Plainte, il y a plainte et plaire. Donc, il faudrait comprendre que... Tu dis quoi? On parle... Non, j'en viens, c'est pas Nounou. Justement, j'en viens. Nounou, ton fils, qui est d'ailleurs une grande personnalité du pays. Il faudrait globaliser le tout, de manière que... Il faudrait réaliser même que la connotation familiale qui est du français soutenu, du falplinks, même des plaintes déposées. Je règle à combien de pourcents? Justement, c'est un réglage de pourcentage assez connu, tu vois, et moi, je sais que... Tu aimes ça? 60%, c'est bon. Non, c'est faible, parce que 60%, c'est assez faible pour moi. Je suis quand même... un homme responsable, je sors de l'université là-bas. 90%, c'est bon. Non, 90%, moi je crois qu'il faudra aller sur une base de 100 à 150% par là. Ah, 100, 150%, oui. Mais, pour ma capacité, parce que moi je suis quelqu'un, je sors de loin, oui. Je dirais 200%. 200%, là même. 200, c'est faible. Oui, non, là c'est faible même. Je peux simuler bien plus, mais on va s'arrêter à 200. Non, tu veux mettre 241. Comment média 241? Parce qu'ils vont assumer quelque chose. Ah, ben oui, média 241. Parce que média 241, c'est l'un des médias les plus célèbres. Média 241, on va dire aussi l'indicatif du carbone. C'est pas le point! Ça, c'est quoi? Tu as quel problème? Tu me racontes quoi depuis là? On te dit qu'on t'envoie pour parler de mes problèmes. Si ce n'est que toi, mais je vais partir en prison. Si c'est toi, mais combo. C'est comment? Alors, tu pensais que quoi? Tu as même supporté? Tu as supporté ma gifle? Heureusement que c'est Nounou qui t'envoie, sinon... Maman Grano. Je t'aurais coupé la tête là. Maman Grano, oui? Je suis ton avocat, mais bon, là j'ai perdu le fil des idées. Je voudrais que tu me regardes dans les yeux. Et je voulais te parler... Je suis là. Ah, d'accord. Je voulais te parler en face et t'expliquer quelque chose déjà. Bolingo. Je suis là. Ok, j'ai perdu le fil des idées, je sais pas ce qui se passe, il y a... Non, attends, comme, on dirait que tu as supporté ma gifle, mais les yeux, ton regard a changé, hein? Non, c'est toujours le même, c'est toujours élégant et tout le reste, mais là n'est pas la question, en fait, je voudrais juste te demander quelque chose, un petit service. Mm-hmm. Comme je reviens d'Avard et je viens d'arriver au Gabon... Je suis là. Ah, oui. D'accord, oui. Quand je reviens d'Avard, je viens d'arriver au Gabon, je voulais savoir si tu connais pas une agence immobilière, je cherche des maisons à louer, en fait. Je veux une chambre, même une chambre salon. Ah non, tu n'as pas supporté ma gifle, sors de mon plateau. Tu n'as pas supporté, sors, et moi sors, pardon, je ne veux pas de soucis. Attends, quoi, exceptionnellement, mesdames et messieurs, exceptionnellement pour lui, ouvrez-moi les portes, il va sortir. On a fermé partout, sauf à Mélène. Va, maman. en paix, que le... D'accord. La route, c'est là. La route, c'est là. Là-bas, c'est pour le con. On a fermé partout sauf Mélène. Si tu es devenu fou, va chercher la maison à louer à Mélène. C'est pour le con, Zizi. Mesdames et messieurs, c'était maman Grano, alias la douanière. Bisous mouillés.